Bonjour à tous. Voici une phrase classique, sujet, verbe, complément. Voici la formule que l'on vous a peut-être apprise. Qui est-ce qui plus verbe de la phrase? Qui est-ce qui a demandé? Réponse, la directrice. Oui, mais voilà, cette réponse est fausse. Donc, cette formule ne fonctionne pas ou n'est pas efficace. Non ! C'est non ! Voici une formule sûre et qui fonctionne à tous les coups. Donc, je vais l'utiliser. Je mets C, je mets qui, et ensuite, je vais déplacer mes mots. J'essaye. La directrice, et je réajuste mon qui. Je mets ensuite mon verbe principal, et je range tous les autres mots après le verbe principal. Vous constatez évidemment que la phrase n'a pas de sens. Vous allez me dire, oui, mais monsieur, je peux faire autrement pour qu'elle ait un sens. Je mets C, la, directrice, qui, le verbe principal, au patient de l'hôpital leur adresse personnelle. Oui, mais voilà. Vous changez le sens de départ de la phrase, puisque dans la phrase de départ, les patients ne font pas partie forcément de l'hôpital. Donc il faut encore réessayer. C'est la directrice. Et je vais maintenant essayer de mettre d'autres mots entre ces qui. C'est la directrice de l'hôpital qui a demandé au patient leur adresse personnelle. J'obtiens ainsi une phrase qui a du sens et je peux en déduire que la directrice de l'hôpital est mon groupe sujet. Oh yeah! C'est ça. Nous obtenons donc notre phrase finale avec un groupe sujet dont je ne peux plus séparer les mots qui apparaît en bleu, alors que les autres ne sont pas encore délimités ni identifiés.